Ils sont en train de vous refaire les marches du sentier. Tu sais, travailler à la montagne, c'est bien, c'est beau, mais ça épuise. Il ne faudrait pas qu'il se dessèche. Vous n'êtes pas venu avec l'hiver, hein? Quoi de mieux pour un groupe de randonneurs égarés que de partager quelques instants en compagnie du maître des lieux? C'est aussi ça, le savoir-faire maison. Hop, allez. C'est vraiment faux, pas vrai. C'est bon. C'est les gens du terroir, c'est les gens de la ferme, ils sont toujours accueillants, quoi. On est peut-être fiers, quoi, de voir ces gens qui gardent leur culture, leur façon de vivre. J'ai le pied qui a râpé. Aux Aldudes, si certains prennent le temps, pour d'autres, il ne faut pas en perdre. Avec l'accueil d'un groupe de 50 personnes venues visiter l'élevage, l'activité de la maison Teïsa bat son plein au beau milieu de la journée. N'hésitez pas. Non, dans le bâtiment, non. Donc, on va vous arroser, mais pas de la même façon. Hein. Vous avez le petit saucisson des Aldudes. Saucisson de canard. On se rapproche de la nature. On retrouve aussi le goût originel du jambon. Ça peut faire un petit peu mal quand on voit ces petits cochons, mais non, finalement, après, comme c'est tellement bon. La présentation est complète, elle est parfaite, on apprend beaucoup de choses, c'est très instructif, ça donne envie de goûter, on a goûté, ça donne envie de regoûter, on en a acheté. C'est très sympa d'avoir des gens du terroir qui sont aux petits soins en plus, on sent que c'est naturel, ils ne sont pas forcés pour nous faire plaisir, ils sont parvenus à leur fin, ils nous ont fait plaisir. Une personnalité comme lui, c'est quelqu'un de très humble. De le voir servir les cafés à des simples promeneurs derrière le comptoir, c'est quelqu'un de sensationnel. Pratiquement tous les jours, on a des visiteurs, des personnes qui sont en vacances sur la côte, qui passent nous voir, parce que c'est vrai que le téléphone, on a... Mais toutes les semaines, on a des visites maintenant, des personnes qui viennent nous voir, qui découvrent un petit peu la vallée, et c'est vrai que c'est bien. Je pense que quand ils viennent aux Aldudes, ils viennent voir un petit peu l'entreprise. Et l'entreprise, ce qui est important, c'est tout ce qui est autour, surtout, puisque si on est là, c'est grâce à la vallée, c'est grâce à tout ce qu'on a autour, ça c'est... Tous ces bergers, puisque la vie qui est autour de nous, bon, c'est un tout. Et je pense que c'est aujourd'hui, faire découvrir ça, c'est une chance. Et je pense qu'il faut le faire, puisque c'est des choses simples. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a tellement compliqué tout, que tout ce qui est simple, c'est des choses qui pèsent, quoi. La période estivale nous réserve un programme chargé au Pays Basque. Les fêtes de village défilent tout au long de l'été. De quoi faire connaître toujours plus les bons produits des Aldudes
Les marcheurs affluent de toute la France pour découvrir le sentier du Port Basque, l'occasion pour Pierre d'étrenner les nouveaux parcs remis à neuf au printemps. Enfin, une visite venue d'Asie viendra animer le village, de quoi s'occuper pour les prochains mois.